Nickel. Bon, ça va, Nus, merci. J'espère que tu vas bien. En train de tester 5 versions. La question est bonne. Ah. Ouais, c'est pas évident parfois de faire des tests de matos. Mode tranquille, et bah c'est parfait. Ça fait plaisir à lire. Merci à vous d'être là. Ah, j'enchaîne les jeux, les histoires. C'est distrayant. Je vous remets l'intro, c'est même moi, j'apprécie de la redécouvrir l'intro. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas vue. Écoutez-moi, être de lumière, et entendez mon message. Voici Arx, qui fut jadis une cité comme tant d'autres, étendant ses fiers bâtiments sous la majesté du soleil. Notre roi Poxélis était bon et juste, et savait contenir les escarmouches que nous infligeaient les gobelins et les hommes rats. Bien des années après la mort de Poxélis, en la fatale année 226, merci Arsenos, commença à décliner, et un hiver éternel s'installa sur notre monde. Sa Majesté Lonshire, digne fils de Poxélis, décida de faire migrer toute la cité d'Arx sous terre, dans une ancienne mine naine. À cette occasion, tous les conflits entre les races d'Arx s'estompèrent. Humains, nains, mais aussi trolls et gobelins furent unis pour une même survie. Cette migration dura 5 années, pendant lesquelles le soleil disparut complètement de nos cieux. Toutes les races s'aménagèrent des lieux de vie dans ce nouveau cadre, et petit à petit, les relations entre tous sont redevenues celles qu'elles étaient par le passé. Mais aujourd'hui, le mal est à nos portes. Agba, le dieu de la destruction, est sur le point de... Oh, sur le point de te planter. Vous, là-bas. Par ici, dépêchez-vous. Ne le laissez pas s'échapper. Tu es fait comme un rat. C'est bon, ici, il est allez, dégagé. Défoncez-moi ce point. L'archer fatal, oui. Alors, normalement, c'est reprise. C'est bien normalement. Oh, 29 décembre, la vache! Ça fait 5 semaines que j'ai pas joué. J'étais dans la crypte. Moi, j'avais pris des trucs. Ah oui, c'est des pics. D'accord, c'est pas un bouton. Wow, alors va deviner ce qu'il faut faire. Là-dedans.
bah, y a rien dans la momie, je peux rien faire avec. Ah oui, c'est comme ça, faut que je clique dessus pour... Voilà, là par exemple, je peux prendre toutes les côtelettes crues du rat. Je m'amuserai à cuire à l'occasion, je sais pas quand. Mais je suis coincé moi du coup dans la... Attends, il y a des chemins que j'ai pas... Pourquoi j'ai pas pu aller là moi? Appartement de Sa Majesté Poxelis, suivez les indications de l'observateur ou restez dehors. Qu'est-ce que c'est que ce boxon? Le levier là, il est rabaissé. Putain, il y a des trucs, c'est trop bizarre. Là, il y a un piège à la noix. Le levier aussi rabaissé. Ici commence le labyrinthe des âmes perdues. Un levier abaissé est un levier actionné, hein, si je dis ça. Ah bah celui-là il l'est pas. Voilà, là c'est bon. Oh merde, il se relève ce con. Ah. Ouais, ça c'est le mur secret. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Cet emplacement magique avec les particules bleues, c'est une fontaine de vie, c'est quoi? C'est quoi l'utilité du machin? Il y a aucune indication. Vraiment bizarre. Je me barre de là. Mais j'ai un journal de toute façon de quête. Il faudrait que je regarde. Attends. Donc je cherche pas. Comment je fais? J'ai Crowd the Ark, donc j'ai les deux bagues déjà. Maintenant j'ai en possession les deux bagues, il est temps de retourner dans le temple d'Akba et d'en finir une fois pour toutes avec ce météore. Ouais. Mais je doute que ce soit la vraie fin. Parce qu'il y a beaucoup de mystères et de questions sans réponse. Ah, beaucoup dans le 8 y a quoi. Ah oui, il y avait une grosse bestiole dans le dernier sous-sol, c'est vrai ça. C'est vrai. Je suis déjà passé par là.
Beaucoup de mystères. J'avais dépecé les rats ici par contre. Momie est là, un petit tas sur elle. Ouais non, il n'y a plus rien, j'ai tout tourné, j'ai tout pillé. Je vais repasser un étage au-dessus. Chargement. Que de mystère! On se souvenait de la salle avec l'énigme. Oh la vache. Il y avait un truc, j'avais pas. Là aussi, il y avait un levier, il se passait quelque chose, mais je savais pas quoi. Il y avait un levier près de la tombe du roi, là. Mais il y a quelque chose qui bloquait. On entend qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc le moment est pas venu. Ah merde, il y a la... Quoi, j'ai remis la des deux côtés? Ah oui, j'allais dire, c'est une hérésie, là. Voilà. Ah, beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères. Là aussi, il y avait une porte. On devine qu'il y a une porte. Là, il y a une histoire de sorte de réceptacle. Je sais pas ce que c'est. Là, on devine que c'est une porte devant. Mais j'ai rien dans l'inventaire. C'est quoi ça? Une pépite de fer? Non, c'est pas ça. Franchement, je veux pas. Je sais plus si j'avais une sortie en passant par là. Ah oui, il y avait des pièges là. Ah non, c'est pas... c'est sans intérêt. Les escaliers, en veux-tu, en voilà, c'est pire que la tour Eiffel. Oh la vache. C'est où la sortie? Je vais me barrer de la crypte, j'en ai marre, je veux faire autre chose. Il y a une sortie express, mais je sais plus où est-ce qu'elle est.
Je sais qu'elle existe. Il existe une sortie express. Ah, je crois que c'est là. Que je puisse me barrer de la crypte. Ah oui, que je passe à autre chose. Ah oui, il y a les marioles, j'ai envie de les appeler. Tiens, Sora, ah bah tiens, je vais profiter de leur feu de camp pour cuire mes côtelettes de rat. Allez, bougez-vous de là, les proies, là. Ah oui, ils ont différents trucs. Ouais. Bon, bref. Si j'arrive à cuire mes côtelettes de rat, visiblement c'est pas le cas. Découvrez la gestion passionnante de la cuisson de la viande sur PC. Pacharal Simulator. Oh la vache. Par contre, faut saluer les équipes de développement qui ont trouvé les bons sons. J'aime bien. Entre le feu qui crépite et le mec qui mastique sa bouffe, là on entend croquer dans la chair le crunch. C'est pas évident de trouver les sons adéquats. Ils ont vraiment bien bossé. Et c'est reparti dans l'autre sens. Ouais, j'en ai 20 à récupérer comme ça. Je sais même pas si je vais y parvenir d'ailleurs. Je vois même plus ce que j'ai balancé dans le feu, moi. Ah non, elle est crue celle-là. Ah bah merde! Oh là là, oh là là, oh là là, ça va être d'un chiant. Je suis désolé, hein, c'est le jeu, je peux pas faire autrement. Ah, mais c'est comme Dying Light, il faudrait que je passe une heure. Tais-toi, toi. Il faudrait que je passe une heure hors antenne à faire du tri d'inventaire, là, de la gestion d'inventaire. Comment ça, toi, jouer aux cartes? C'est ce que j'ai compris? Ou j'ai mal entendu? Moi, je joue à récupérer côte de rat rôti dans le feu sans brûler. C'est un jeu très rigolo. Passionnant. Ah! Oh mon dieu. Mais que faisons-nous de nos vies, hein? Philosophons. Qu'est-ce que je fais de mon dimanche après-midi, là? Ah, ce jeu qui rend fou! Mais rends-moi mes côtes de viande cuite dans le feu, nunuche de jeu. Il me l'indique, mais il me permet pas de m'en saisir. Le héros va-t-il se brûler? Bon, je crois que je vais faire le sort pour... Vous savez, pour éteindre les flammes, je vais éteindre le feu, me servir avant de le rallumer. J'aurais peut-être dû commencer comme ça. Ouais, crypte à fond, ouais, c'était ça. Alors, comment je fais pour éteindre le feu? Négation.
Non, négation de la vie, c'est pas ça. Négation du feu. Je sais plus comment on dit. Je sais plus comment on dit feu, un truc comme ça, non? Ah, faut que je révise. Oui, tu joueras aux cartes bientôt, mon gars. Pas avec moi, mais bientôt. Alors, éteindre un feu. Ah, donc l'inverse. Ouais, clac, clac, clac. Donc l'inverse, ça doit être ça. Voilà, j'ai éteint le feu. Mais l'autre, il le rallume. Mais j'aimerais ne pas me brûler, salopard. Mais non. Il le rallume instantanément. Ah non, mais c'est dingue. Oui, non, mais ouais. Non, mais le jeu qui va me rendre fou. Attends, on recommence. Oh, le petit con. J'y arrive plus, du coup, je me déconcentre. Il est en train de me guaquer. Ah! Mais vos gueux! Mais j'y arrive plus! J'y arrive plus! Magie! J'ai fait double négation. Non! Ouais, toi fin, toi. Hein, bon. Ah non. Y'a rien à faire, hein. Bon, merde. Je vais passer à autre chose. J'en ai marre. Allez vous faire en papaouter. Oui, bah, toi fatigué, moi exténué, hein, donc. Je restais une minute de plus, il me faisait une remarque de désagréable. Je lui fais bouffer son bras, mais pas par là où il souhaitait, hein, bon. Ils sont chiants, les gobelins, ils sont chiants. Je ne suis pas une célébrité, mais je vais sortir de là quand même. Ah, ce dédale, au secours, je vais devenir fou. Ouch. Ouais, oh là, oui, les trolls ont mal fini dans le secteur. Ah, je crois que j'avais été contraint de les patater. Ouais, où il y avait la rixe entre les gobelins et les trolls. Oh là, lui, il a très mal fini. Il a fini déchiré en deux. Oh là 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 là. Pardon. Ah. Merde. Crotum. Ah, attends, une serrure. Ah, bah, c'est pour aller chez les rebelles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va faire bouger les choses dans le bon sens. D'ailleurs, elle peut pas m'aider là. La princesse rebelle. Je sais même plus ce qu'elle me dit à ce stade de l'histoire. Merci. T'as autre chose à dire, Alia? Merci. Elle est super bavarde, Alia. C'est extraordinaire. Entre les... Ah, on dirait presque la fée dans Zelda, là, le jeu qui est en train de faire en ce moment Nash. Même niveau de dialogue. C'est affolant. Au secours. Ce jeu rend fou. Ah. Oui, ici, les rats sont gentils. Par contre, il y a des trucs bizarres au sol.
Non, j'avais fouillé le squelette. Ouais, je pense que j'avais dépouillé les... Les macabées au sol, ils ont été dépouillés. Je veux me barrer. Au secours. Ah, il n'y avait pas un commerçant ici, je sais plus. Non, pas cette pièce. L'autre, peut-être. Oui, lui, il fait du commerce, je crois. Jetez un coup d'œil à mes marchandises et servez-vous. Ah oui, alors. L'essor des potions du crochetage. Ah, il y a des armes. Il y a un sabre. Ouais, bon. Ouais, côte de maille. Ouais, il y a ça. Il y a des belles armures. Ouais. Et là, il y a de la bouffe. C'est du vin, rassure-moi. C'est pas du sang. Ouais, c'est du vin. Ouais, bof. Là, il y a une corde. Il y a... Ouais, bon. Sans plus. Sans plus, sans plus, sans plus. Et ben voilà. Allez, je me barre ailleurs. Baron nous. Où de Dieu. Ici, je crois que ça sent mauvais. Il y a une histoire de secte, je sais plus quoi là. C'est pas le territoire des vilains ici. Ah non, ça c'est le retour à la crypte, je crois. Et ça c'est quoi? Me souviens plus. Je ne me souviens plus. Ah, j'ai tendu mon câble audio. Je me souviens plus. Pardon. Encore des trolls chaos. Oh là 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 là. Tiens d'ailleurs. Ah, j'ai cru que c'était un coffre, mais non. Même pas. Mais non. Attends, mais j'ai fait un tour débile là. Je suis revenu à mon point de départ. Ah non, ça craint. Bah là, je retourne à la crypte. Non, arrêtez, pitié. Il faudrait que je retrouve les trucs de téléportation. Ouais, là, c'est le camp des rats. Là, l'autre, il a bougé, je sais pas pourquoi. Est-ce que je retrouve des côtelettes de rats, non? Il est où le Schmilblick de téléportation de mes deux? Je suis en enfer, au secours, je suis en train d'errer de manière illimitée. Je suis perdu. Ah! Attends, parle. Je suis vraiment content de faire le tour. Ah ouais? Je retombe sur le clan des rats là. Bah merde alors. Là il y a là-bas. Ah là il y a autre chose. Ah ça c'est l'autre clan, c'est le clan des poissons. Ouais, il y a le marchand humain qui est pas super intéressant. Ah, champignon. Champignon. Le domaine des femmes serpents, dont il faut se méfier comme de la peste. Je me souviens plus du tout.
correspond. Alors, les femmes serpents. Elles ont un truc de téléportation. Il y a la salle des épreuves. Je ne sais plus du tout. Ne pas m'enquiquiner. Hein. Je demande l'appel, les femmes serpents. Merci. Ah oui, le portail est là. C'est moi ou. Ah non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vilaine. Bou. Voilà, qu'on ne les voit plus. Alors, la ville d'Arx, la grande faille, niveau du château, ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Mes quartiers. J'avais quoi là-dedans? Ah, j'avais une armure qui m'attendait. Une armure et de la bouffe. Extraordinaire. L'avant-poste a été attaqué par les Ilcides. Ah oui, ils disent toujours les mêmes trucs en boucle. Maintenant, allez, Amshagar, et sauvez-nous du démon. Retrouvez Kraos et Zoark, et détruisez cette maudite statue. Mais je les ai, messire. Attends, je suis peut-être pas équipé, tu me diras. Oui, c'est pas savoir tes croarts, attends. Alors, c'est vrai que j'ai 3 étages d'inventaire maintenant. Ah oui, les blas. Croarts. Il a tellement ronflé la nuit dernière que j'ai à peine fermé l'œil. J'ai vu un rasmat, mais comme ça. Voilà. Je suis prêt, monseigneur. Maintenant, allez, Amshagar, et sauvez-nous du démon. Retrouve. Oh, faut qu'il change son tourne-disque. Mais j'ai les bagues de être divin là. Amshagar, mettez-vous en quête de Kraos et Zoark. Oi, 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 oi. Bah, et où qu'on de mime. C'était quoi ce bruit? On a entendu un. C'est un sort qui était jeté sur moi là ou quoi? Oh là là. La malédiction du kappa. Ces trucs, ça m'intrigue. Ah non, c'est un mulot. Pa 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 pa.
Merdoum. Ouais, il y a le forgeron. Ah, attends, le forgeron. Est-ce que j'ai besoin d'aller le voir? Mon matos, il est en bon état, non? Ouais, c'est correct. Vu les stats. Ouais, je me fais pas de soucis pour ça. C'est bizarre comme son de transition de niveau. Vraiment étrange. Oula, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ok, elle m'en veut. Je sais même plus comment on se bat. Merde, elle est où mon arme? Magnifique. Elle m'a buté avec un succès monumental. Merde. J'étais auprès du roi avant de me faire déboîter. Mais que signifie? Ouh là là. Il faut que je réapprenne à dégainer. Ça peut aider en combat. Mais qu'est-ce qu'une femme serpent venait faire là? Mais vraiment. Mais c'est quoi ce délire? Comment je dégaine? Mais non, ça c'est la santé. Oh là 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 là. Attends, je crois que je vais recharger parce que comme j'ai bu accidentellement de potions de santé, c'est un gros gâchis dans le jeu, c'est pas cool. Mais il faut que je reprenne. Là aussi, c'est comme Dying Light, il faut que je remémorise les bonnes touches. Ah, je pars en combat, je fais ça. D'accord. Et c'est pas la bonne arme. Parce qu'avec des flèches, je suis pas sûr de faire bobo à la... Je suis pas certain de faire bobo à la... À la femme serpent. Mon avis, une arme de corps à corps, je la déboîte beaucoup plus. Ou alors, je deviens comme dit Nayonet tout à l'heure, l'archer fatal. Si seulement... Ouais, la dague empoisonnée. Je ne sais pas encore faire ça. Ah non, je peux pas. Oh merde. L'épée de force de Cypriane qui est à moitié pétée d'ailleurs. Ah si, si, si. Plastron magique, grande protection. Si, si, il faut que j'aille voir le forgeron. Je dis des bêtises. Il y a beaucoup plus de tremblements de terre. Et... Electra dommage, ouais, je vais garder l'épée. L'épée tranchure, ouais, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais non, j'ai dit grosse ânerie en fait. J'ai du matos à faire réparer auprès du forgeron. Ça va me coûter une blinde. Mais vraiment étrange le coup de la femme serpent là. Que j'ai. Je m'attendais pas à croiser une femme serpent dans ce trou perdu, il n'y a pas d'autre mot. Elle va en découdre avec moi, elle va me casser la figure. Je pense que les femmes serpents sentent la présence des artefacts puissants. Elles doivent avoir cette capacité. Elles m'attendent dans un coin obscur pour me faire la peau, en fait. Ni vu ni connu, c'est dégueulasse. Elles vont me dépouiller, les vilaines. Da 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 da. Alors... J'en connais un qui va bosser. Comme neuf. Très bien. Comme neuf. Comme neuf. J'adore quand il dit comme neuf. Comme neuf.
Oh là 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 là. Ruiné, mais... mais au taquet. Ah bah c'est parfait. Ouais, forgeon hardi. Ah bien. Et du coup il me reste combien en thunes? Oh ouais, 1400, ouais, c'est vrai que ça m'a coûté cher. J'avoue. Alors est-ce que je peux porter fièrement la nouvelle armure? Je ne sais pas encore faire ça. Ah non, j'ai pas assez de force. Je ne sais pas encore faire ça. 14 de force, c'est dans longtemps ou c'est pour bientôt 14 de force? Ah 12, ouch, non, c'est dans longtemps. Je suis pas prêt de porter l'armure, ah bah merde alors. Ça craint. Bon, une fois que je sors de là et qu'il y a le chargement du niveau, il va falloir que je sauvegarde. Parce que la vilaine va me tomber dessus. Voilà, elle est là, elle m'attend. Je sauvegarde et je lui patate la bouche. Je lui patate la bouche. C'est indécent. Prends-toi ça dans les dents. Vilaine femme serpent, là. Tu vas mourir, toi. Oh, elle a pas aimé. Ouh, qu'elle a pas aimé. Oh, bah elle en est morte, dans le dos. Elle est morte, la vilaine. Elle est morte. Oh, 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 elle avait quoi sur elle? Une note. Que signifie? C'est quoi la note? Alors, le gardien est sur le point de découvrir une nouvelle reine pour Zalnak et, ses suivantes. Il doit être arrêté à tout prix. La lignée de Zalnak doit s'éteindre. Oh, oh, oh. Ça parle mal. Calomnie, beau, mensonge, manipulation, c'est pire que les feux de la mer. C'est quoi ce délire? C'est un rat. Je lui ai déjà bouffé les entrailles, le saligot. Pa 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 la pa pa la pa. Je tourne en rond. Joie. Je sais plus par où faut passer. Je suis Peldou. Je suis complètement Peldou. Encore une autre ! Oh, mais elles sont chiantes ! Tu vas crever ! Et voilà. Elle a juste un... sur elle, la malheureuse. Bon, alors je me barre. Bizarre autant qu'étrange. Mm-mm-mm-mm-mm.
c'est désolation. Bon, le temps du chargement, je vais en voir un coup, ça donne soif. Allez, et voilà. Alors, que j'atteigne la secte avec le météore de mes deux et qu'on en finisse que je l'explose. Mais il va sûrement se produire un contretemps, je doute être à la fin du jeu. Ah oui, c'était là le passage secret. Voilà. Oh, cette atmosphère. Narration de fou, on va dire ça. Narration de fou, ça se confirme. On en parle plus. On aura le conseil de notre victoire. Je devrais être en mesure de rentrer au modèle. Quel étrange dispositif. Système qui canalisait l'énergie. Ah merde, c'est cassé. Ah là, c'est le passage. Ah oui, c'est le passage de la secte. Personne dans la secte, normalement. Oui, il reste quelques écrits, des os, lui il est en PLS. Je crois qu'il n'y a plus rien dans la secte. Alors ce qui est chiant, c'est les... Vous savez, les chevaliers, là, les chars d'assaut sur pattes. Alors je finis enfin par parvenir à les trucider, mais c'est balèze, ils sont chiants quand même. Ils sont bien bien chiants. Je re-sauvegarde une narration de fou, peut-être. Ouais, les portes sont fermées. Bof. Oh, autant dire que j'ai plus grand-chose à y faire. Je me retrouve à la taverne. In the taverne. Oula. Très bien, gardien. Je constate que tu as rejeté ma généreuse offre d'alliance. Peut-être que notre prochaine rencontre te fera regretter amèrement ce choix. Pensais-tu réellement que la destruction de ce météore allait empêcher mon arrivée? Le canal d'énergie est juste assez fort pour permettre ma venue. Je n'aurais pas la puissance que les sacrifices de ces pathétiques adeptes auraient pu me conférer. Mais une fois sur place,
l'énergie coulera à flot avec toutes ses âmes à prendre. Eh bien. Lorsque nous avons encore un soleil, on l'appelait alors la rose jaune. Amusant, n'est-ce pas? Les roses jaunes. Ah, le mec qui est de retour. Reviens me voir à l'occasion. Bah, l'occasion est revenue. Si tu veux me voir, je suis généralement ici. Ah oui. Je suis toujours dans le coin si tu as besoin de moi. Il avait disparu, le mec. Plus je bois, et plus je pense que la violence résout tout. Plus je bois, plus je pense que la violence résout tout. Quelle horreur. Mais quelle horreur, oh, ces dialogues. Ah, il y a le pochetron. À Lonshire, notre bon roi. Ah oui, alors. C'est d'un calme, c'est presque angoissant. Je sais plus. Ah oui, j'y arrivais en ville en passant par là, je crois. Bon, ça bouge dans le bon sens. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a le super vilain méchant de... J'ai déjà oublié son nom là, Agba qui se sent plus. Oula. Cette musique. La musique de l'avertissement. Oh. Et il Cid ont envahi la forteresse. Et Lord Lonshire a été enfermé dans la prison. Sauvez-le! Sauvez-le! Sauvez le royaume! Il a été enfermé dans la prison. D'accord. Ah oui! On a un petit souci. Que sont les... Ah oui, d'accord. Ok, va y avoir de la baston, là. En plus, il m'a repéré, l'autre abruti. Alors, un à la fois, hein, s'il vous plaît. Pas 50. Je sais même plus comment je les maîtrisais. Déjà, visiblement, il s'est pas monté aux escaliers, donc ça devient drôle. Ça commence bien. Ah. Comment je faisais? Alors, je me souviens d'Olive qui tue, Olive qui tue, que j'embrasse d'ailleurs, qui m'avait dit 3 boules de feu et quick. Mais 3 boules de feu, C'est pas facile à faire 3 boules de feu. J'aimerais bien avoir la prétention de les neutraliser au corps à corps, mais...
Si j'essaye de les attaquer à distance avec un arc et des flèches, ils vont faire un truc à la Matrix. Ils vont esquiver mes attaques, c'est pas possible. Je doute qu'ils dégustent mes flèches en pleine poire. Ça va pas être aussi facile que dans Minecraft, par exemple. Et Ilcide, on veille la forteresse. Et Lord Bloodshire a été enfermé dans la prison. Sauvez-le. Attends. Sauvez-le. Sauvez le royaume. Vas-y voir que je fasse un test. Je vais essayer de les attaquer avec les flèches, mais j'y crois pas. Ouais, castagne, exactement. Mais... je pars pessimiste. Magnifique! C'est grandiose! Je vais gagner tous les combats avec ce genre de bug à la con. Et lui, il m'a déjà trouvé. Tiens, déguste mes flèches nazes dans la gueule. Et tue-moi. Abrège mes souffrances. Mes souffrances du tir à l'arc impossible. Oïe. Oh, ça craint du boudin. La 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 la. Toi aussi, tu aimes mes flèches. Non, c'est juste ingérable. Mais vraiment. C'est ingérable. J'ai plus de potions, je vais crever. C'est n'importe quoi. Oula, il a l'air de fatiguer, changez-lui les piles. Ah. Ce duel de gros naze. Je sens que je vais en chier. Ah. Ce jeu va m'en de ma boule à sa manière, lui aussi. Je ne fais que des jeux qui m'en de ma boule d'une manière ou d'une autre. Oh non, au secours. Non, j'étais pas prêt, ça compte pas. J'ai l'impression que je lui fais aucun dégât au mec. Ah non, j'y crois pas. Bon, ça va être une catastrophe. Déjà le coup de la castagne, il me voit, alors autant reprendre la narration de fou, le moment où je suis pas encore découvert. Quelle technique, comment faire, comment je peux les zigouiller le plus facilement possible. Le coup des trois boules de feu, j'y crois pas du tout. Ouais, non, mais là, j'ai la bonne arme, en plus. Et Ilcide, on veille la forteresse. J'envahis la forteresse. Bon, là, je suis mieux, là. Et Lord
Lunshire a été enfermé dans la prison. Sauvez-le! Sauvez-le! Wow. Allez, de l'entrée de la crypte. Mais ce combat de naze. On aurait dit que j'aurais décapité le gars. C'est ingérable. C'est ingérable. Oh, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Parce que si j'apprends à faire la boule de feu par trois fois, il faut que je carbure à donf dans la mana. Ah, ça promet d'être chiant. S'il y en a 50 dégus, c'est même pas la peine, j'arriverai pas au bout. Alors, boule de feu. Ouais, projectile de flamme. Schlac, 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 et schlac, schlac. Oh, il faut maîtriser le truc. Oui, il m'a vu l'autre. Alors fais ton sort paisiblement alors que tu es en train de te faire embrocher. Voilà, j'ai pas le temps de tirer la première boule sur les trois, il m'a trucidé. Alors, il faudrait presque que je fasse de la lévitation, que j'aille à un point où il puisse pas m'atteindre, que je sois au perché au milieu de la place publique et qu'à distance je fasse mon Dragon Ball Z. À part ça, je vois pas comment je peux les buter sur la place publique. Qu'est-ce que je fais? Je me mets sur la pyramide de téléportation, là, sur le pic? Je sais même pas si je peux faire ça. On va essayer, hein. On va essayer différentes ruses. Hein. Et Sid, on veille la forteresse. Oh, calme-toi, salope. Mais laisse-moi le temps d'arriver, salopard. Voilà, il est déjà en train de me buter, j'ai pas eu le temps de monter sur l'édifice. Et je peux pas monter dessus. Oh, c'est pénible. Aïe, 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 aïe. Et il cide, on veille la forteresse. Et Lord Plunshire a été enfermé dans la prison. Sauvez-le! Sauvez-le! Sauvez-le, voyons! Attends, télékinésie. Non, pas télékinésie. Lévitation.
Non, invisibilité. Non, c'était invisibilité. J'envoie le grand manœuvre. C'est niveau 10 la lévitation? Mais non. Paralysie, invocation de mort-vivant, champ de force. Antidote. Ah, lévitation, c'est ça. Le O, l'espèce de C et le Z. Eh, Macarena, j'arrive même pas à maintenir la magie. Miracle. Non! Mais non, mais le truc de ruban qui m'empêche de faire de la lévitation qui me barre la route. Mais c'est une blague, tu peux pas déchirer le truc, toi? Oh, mais non, mais ce jeu... Oh là là. Mais pourquoi mettre de la physique à un truc de ruban? Là, pour le coup, on pourrait passer au travers. Aïe, 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 aïe. Le jeu est contre moi. Aïe aïe aïe. Je comprends pas, il y a des mécaniques de jeu, par moment je piche pas. Ce qui faisait le charme du jeu à la base, le coup de faire soi-même les signes, dans autant d'actions avec des ennemis aussi balèzes, ça devient une frustration. Voilà. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Il va me buter. Il m'énerve. Il aurait pas dû me voir, Krotoum. J'ai passé la banderole de mes deux. Ah! C'est nul! Archi nul! Aïe 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 aïe! Et Cid, on veille la forteresse! Ça marche plus. La magie ne fonctionne plus. Au secours. Ah. Eh ben, je devrais faire de la lévitation, bordel. Non, c'est pas ça. Attends, c'est moi qui deviens débile ou... Eh ben... J'en explose de rire nerveusement, là. Alors, ma souris qui m'aide pas. Non, mais non. Oui. Non, c'est pas ça.
Merci. Allez, monte. Ah. Je peux pas changer d'altitude quand je suis en lévitation. Il y a pas, c'est pas la touche chaud qui permet de monter et descendre à coup pris, ça marche pas. C'est pas logique une fois de plus. Allez, je vais aller sur la foutue. Aïe 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 aïe. C'est pas R pour casser un sort en cours. Non, je sais plus. Il y avait une touche, mais je sais plus ce que c'est. T'as un pilote clampin qui me remarque même pas parce que je suis en lévitation. C'est. Waouh. C'est d'un niveau ce jeu. Mais non, mais merde. Bon, dernière tentative. Si mon truc foire, Stardew Valley. Parce que ça sert à rien, on perd du temps et c'est nullissime là ce qui est en train de se produire. C'est dommage, hein? C'est dommage. Oui, non, merde, ouais, j'ai zappé, ouais, j'ai pris tout le précédent, c'est pas grave. Je suis plus assez prêt. Et Ilcide, on envahit la forteresse. Ouais, ouais, ils sont casse-bonbons, les Ilcide. Oui, bah oui, forcément, lui, ma vie. Merdoum. Oh, il s'en fout, il vient me chercher dans l'eau, c'est pas un problème pour lui. Ah, il va me buter cet abruti. Allez, bouge tes fesses. Oh là là. Mais c'est quoi ce mouvement? C'est quoi? J'aimerais savoir. Ça n'a plus aucun sens, mais plus du tout. Tiens. Ah merde, il arrive à me toucher d'ici, dommage. J'avais espoir de pouvoir... Bon. Il va me buter, j'aurais pas fait... Voilà. Bon, Stardew Valley est un jeu merveilleux. Pas buggé. Je vais poser des questions à Olive qui tue, parce qu'elle connaît bien le jeu. Elle avait fait sur Xbox, et là, pour moi, ça devient jouable. Et puis, la souris qui vieillit mal, j'ai pas de focus sur le sort, donc c'est nul. C'est vraiment nul. Très agaçant comme situation. Allez, Zou. C'est où l'histoire de Samantha à la ferme? Hop, j'ai changé de catégorie.